C'est super que Dan et Drago soient revenus au moment où on a besoin de leur aide pour protéger l'hyperespace Bakugan. Mais est-ce qu'il croit vraiment qu'il peut nous donner des ordres comme avant? Pour qui est-ce qu'il se prend? C'est lui qui est parti en nous laissant à nous-mêmes, Marucho et moi. Alors c'est plutôt lui qui devrait suivre nos ordres. Et voilà qu'il nous apprend qu'il a un lien avec cette horreur de Magmel qui est sûrement le responsable du saccage de l'hyperespace par les Bakugan K.O. Dan va devoir s'expliquer avant qu'on le réadmette dans nos rangs. Revenez-nous pour savoir ce que Dan a à dire pour sa défense. Laissez-moi leur régler leur compte.